siroter un soda à la paille, manger avec des couverts en plastique, autant d'habitudes à changer. Dès le 1er janvier, des objets du quotidien seront interdits. Dans cette brasserie à l'île Rousse, on se prépare déjà au changement. Plus de paille en plastique dans les verres. Le fournisseur a été de nous fournir carrément. Depuis quand ? Oh, c'était fin de l'été. Presque à changer, ce sont des pailles biodégradables. C'est du carton, c'est... on ne sait pas trop en fait. On sait que c'est biodégradable. On sait, nous, quand on les passe sous l'eau, qu'elles se désagrègent. Mais au niveau clientèle, on n'a pas énormément de retours. Les gens ne font pas de différence. Dans ce fast-food, contrairement aux apparences, couverts et emballages ne sont pas en plastique. Paille, gobelets, touillettes, assiettes et même contenants à sauce, tout est compostable. En 2018, on a commencé à prendre la démarche du tout compostable. Alors, les consommables ici, par exemple celui-là, ce n'est pas du plastique, c'est du PLA. Voilà, le PLA, c'est fait à base d'amidon de maïs. Il est entièrement compostable, c'est entièrement naturel. La transition, ça, on a mis plusieurs années pour y arriver, former les employés. Et franchement, une fois que c'est acquis, c'est une évidence. Ces ustensiles plus écologiques sont près de 20% plus chers. Des changements qui se font pas à pas pour laisser le temps aux commerçants de s'adapter.